L'atelier de partage du plan d'élaboration du Pro Agri 3 a eu lieu ce mardi au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en présence des cadres du ministère, des responsables de la GIZ de Bénin et des acteurs intervenant dans ce projet. Lors des négociations bénin-allemandes du 22 septembre 2016 à Berlin, il a été décidé de poursuivre le Pro Agri pour une période de 3 ans. Allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020. Cette décision a été prise au vu de la pertinence des acquis du projet Pro Agri 2, mais aussi de nouveaux besoins découlant de grandes réformes initiées par le gouvernement. Le Pro Agri, mentionné comme projet prioritaire dans le programme d'action du gouvernement PAG, va fortement contribuer à leur satisfaction. Le projet de promotion de l'agriculture Pro Agri 3 est l'amélioration de la performance des chaînes de valeur agricole sélectionnées dans les 4 filières prioritaires appuyées par le projet depuis 6 ans. Je voudrais vous remercier pour votre participation à cette séance d'échange sur le plan d'opération du Pro Agri. L'opération, quelle quoique simple, est d'une importance capitale en ce sens qu'elle vise à partager avec les différents acteurs du secteur que nous sommes les différentes orientations du Pro Agri pour les années à venir dans le secteur. Je voudrais donc exhorter tous les participants à une oreille attentive à la présentation du plan et a fait une contribution remarquable et appréciée afin que nous puissions mieux internaliser ce plan d'opération et contribuer ainsi à l'atteinte des objectifs du secteur. Le projet Pro Agri 3 intervient dans 16 communes prioritaires dans les départements de l'Atakora, de la Donga, du Bogou et des Collines. Le projet Pro Agri 3 est représenté par un bureau principal à Cotonou avec des antennes à Natitingou et à Parakou, soutenu à hauteur de 6,6 milliards de francs CFA par le gouvernement allemand et une contribution annuelle de plus de 500 millions de francs CFA par le gouvernement béninois. Les filières riz, soja, anacarde et karité sont promues par le projet dans le but de consolider les acquis à travers 9 chaînes de valeur agricoles.